Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 8h06, il est tôt pour une fois, je crois depuis 6h-10, voilà. Priorité du jour, le ménage, ce que j'ai pas fait la semaine dernière, voilà. Alors mon petit week-end, vendredi après que je vous ai laissé, j'ai eu la visite de mon frère, voilà. Donc avant-hier c'était ma belle-sœur et le lendemain ou deux jours après c'était mon frère. J'ai également trié ma garde-robe parce que comme j'ai recommandé des vêtements sur Shein, du coup il faut que je trie, voilà, j'avais beaucoup trop, plein de trucs que je mettais plus, donc là j'ai trié et avant de les mettre sur Vinted, j'attends que ma filleule essaye voir ce qu'elle aimerait bien récupérer parce que elle a plus grand chose qui lui va, donc et comme elle a forci, on a eu le même problème avec Enzo et Sam quand ils étaient ados, enfin pré-ados, ils ont vachement gonflé avant de grandir et du coup on est obligé de les habiller chez les adultes. Donc là je me suis dit, il y a des vêtements en S et en M que je mets pas, elle peut les essayer, on verra ce qui lui va ou pas et puis je mettrai en vente sur Vinted ce qu'elle veut pas ou ce qui lui va pas, mais voilà. Là il faut que je vois avec ma belle-sœur si elle sait me l'amener mercredi pour qu'elle puisse essayer les vêtements tranquille. Et voilà. Et mon chéri a été me chercher un colis Vinted. D'ailleurs, il doit aller m'en déposer un demain. Je viens de faire une vente là. Je vous avais dit que j'avais commandé un petit blush Chantaureau juste pour le packaging. J'ai payé 1€. J'ai des poils sur mon téléphone. Mais regardez-moi cette mignonitude. Il est trop beau, avouez. Voilà, j'ai juste acheté pour la boîte. Hein. Chantaureau, moi j'ai une bougie, enfin j'avais une bougie à la violette. Donc dedans, vous avez un pinceau que j'utilise absolument pas, la protection et le blush que j'ai swatché mais qui n'avait pas été touché. Voilà, c'est une couleur un peu pêche corail, comme ça, plus rosé que pêche. Il a l'air super pigmenté, moi je l'ai déjà swatché, je le mettrai demain. Je vous montrerai le résultat porté demain. Il a l'air super pigmenté par contre. Voilà, donc écoutez, je suis bien contente de ce petit achat pour 1€. Au départ, je les avais vus chez José à 3€. Mais du coup, je l'ai trouvé à 1€. Donc, désolé José. Alors, le samedi, j'ai fait du montage le matin. Je me suis levée super tôt samedi, je crois qu'il était 5h30. Et j'avais rendez-vous à 12h43 pour mon vaccin. Donc, j'ai été faire le vaccin. Ça s'est bien passé, j'ai eu mal au bras, j'ai encore un peu mal, mais ça va déjà mieux. Donc j'ai vraiment eu mal au bras, comme si j'avais un gros bleu, quoi. Et comme il pique dans le muscle, dès que je bougeais, ça me faisait un peu mal, mais rien d'extraordinaire. J'ai pas eu de fièvre, pas de migraine, on m'avait conseillé de prendre un Dafalgan une heure avant, ce que j'ai fait, et j'ai pas eu mal à la tête, donc ça c'est génial. Le monsieur me sort « Décontractez-vous parce que comme je vais piquer dans le muscle, si vous êtes contracté, ça va faire mal. » Et je lui ai dit ben, « Si vous me faites mal, je vous tape. » J'ai l'impression que mon micro n'enregistre pas bien. J'ai un problème de micro, je crois, sur mon iPhone. On verra bien ce que ça rendra au montage. Bref, et quand je suis rentrée, j'ai été à la sieste, comme d'hab, hein, puisque voilà, j'étais fatiguée de base parce que je m'étais levée tôt. Et puis je me suis dit « Vaut mieux dormir si jamais... » parce qu'apparemment on peut avoir après le vaccin un moment de mou, mais je lui ai dit moi ça changera pas grand chose hein. Moi c'est mon état naturel hein. Je suis fatiguée de naissance donc voilà. Et le soir on a fait le live où on a encore bien rigolé, donc je vous mets la rediff en barre d'infos si vous voulez aller voir. On a fait un quiz Disney et on a passé une super soirée, on a bien rigolé et tout ça tout ça. Et donc le dimanche principalement du glandage devant Charmed. Il faut que j'arrête. Je n'ai pas ouvert mon bouquin depuis que j'ai recommencé les Charmed. Enfin, Charmed. Parce que je suis tellement à fond dedans que ben, j'arrive plus rien faire d'autre. Voilà, tout simplement. J'ai lavé mes pinceaux. La Chico essaye de sortir tant bien que mal de cette couverture. Et j'ai commandé à cause d'Emmy. Il y a une nouvelle Flawless qui est sortie, mais uniquement sur Boozy Shop. Elle n'est pas encore sur Révolution. J'ai été vérifiée ce matin. Les nouveautés chez Révolution sortent le mercredi. Donc, est-ce qu'elle sera là que mercredi ou est-ce que c'est une ancienne que j'ai pas vu passer?
Je sais pas, c'est la Hydra Turtle, donc non, ça me dit rien, le nom me dit rien, il y a les pannes qui sont gravées, donc c'est pas un ancien modèle. Enfin bref, voilà, donc je l'ai commandé, je l'attends, je la reçois aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais aller prendre les photos et filmer les swatchs pour m'avancer, comme ça, moi, je vous la publie demain. Vous l'aurez en barre d'infos, comme d'hab. Alors, Révolution se fout totalement, mais alors totalement de ma gueule. Je vous dis que je suis en no-buy, que les seuls extras que je m'autorise, ce sont les Flawless, puisque je les collectionne, et les Book of Spell, là, puisque je vais les collectionner aussi. Donc, il y a quand même eu les deux Friends qui sont sortis, la Butterfly, la Timeless, là, que j'ai pas commandée, elle m'intéresse absolument pas, donc celle-là, je vais passer, ou tant pis pour ma collection, et maintenant la Turtle. Voilà, ça fait quand même 5 en moins d'un mois, je crois même. J'ai marqué moins de 2 mois, mais il me semble que ça fait moins d'un mois, quand même, hein. Les Forever Flawless Friends, elles sont sorties il n'y a pas longtemps. Hein. Donc je suppose que dans quelques semaines, ils vont ressortir des Book of Spell. Voilà, magnifique. Et franchement, ils ne pensent pas à mes économies. C'est un truc de fou. Là, je suis en train de faire une mise à jour sur mon Mac. J'étais en train de regarder pour installer Steam, puisque j'ai vu un jeu qui m'intéresse bien. Life in Portia, un truc comme ça. Donc c'est un peu genre Harvest Moon, Animal Crossing... Mais qu'on peut jouer sur PC. Sinon, pire, je prendrais le PC portable, mais j'aimerais bien l'avoir sur mon Mac, puisque j'ai le Mac, il y a que celui-là qui est dispo tout le temps. Et je l'ai vu à 7,95€ sur Instant Gaming. Donc, vous avez mon lien de parrainage, enfin d'affilié Instant Gaming en barre d'infos si vous voulez acheter vos jeux vachement moins cher. Là, il est quand même à 7,95€ au lieu de 29,99€. Donc voilà, mais si j'arrive pas à lancer Steam, je sais pas jouer sur mon Mac, donc je sais pas, ou alors je l'installe sur le PC pour ça, je sais pas, je vais voir. Sur le petit portable, je pense pas que ça tourne, et puis les gosses le squattent tout le temps, c'est chiant. Donc voilà, donc aujourd'hui, ménage, filmer les swatchs et prendre les photos de la palette Turtle. Et si j'ai le temps, je filmerai aussi mon déclutter que vous aurez donc dans la semaine, je ne sais pas quel jour, puisque on s'est retrouvés encore tous les jours pour vous cette semaine, puisque voilà, du coup je me suis dit, je vous mets une vidéo bonus mardi, il y a le haul Shein que vous vouliez en deux parties, donc je me suis dit, on peut faire une vidéo toute la semaine encore, donc une vidéo par jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Là, on va peut-être reprendre quand même un peu le rythme normal, hein, parce que après c'est pas tout ça, mais ça m'éclate de faire une vidéo tous les jours, mais après, il faut encore trouver les idées. Là, pour l'instant, j'en ai plein, donc ça va, mais j'ai un peu peur que ça commence à diminuer fin d'année, surtout si je fais plus beaucoup d'achats. Et la première semaine de juin, vous aurez aussi une vidéo tous les jours, je pense, puisqu'on aura fait l'échange de swap. Et comme il y aura les deux crash tests des deux parties du swap, je pense que vous aurez aussi une vidéo tous les jours la première semaine de juin. Voilà. Voilà, c'est tout. Je suis fatiguée, là, j'ai un coup de barre. Donc je vais boire mon petit café, enfin mon petit, mon café quoi, mon litre de café, mon 2 litres de café. C'est chaud. Et voilà, je vais commencer mon ménage tant que la mise à jour se fait. Je crois qu'elle commence à être au bout là. Et on va voir. Donc je ne sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Au pire des cas, je vous montrerai la palette demain. Parce que je ne sais pas du tout à quelle heure il va me l'amener. C'est marqué entre 13h30 et 17h30. Et normalement, moi, il passe vers 14h30. La post-année. Donc on verra bien. Si j'arrive à vous la montrer, quand je la reçois, je vous la montrerai, et voilà. Donc, soit ça tout de suite, enfin, tout à l'heure, de toute façon, c'est tout de suite pour vous, je dis n'importe quoi, mais alors absolument n'importe quoi. On se retrouve tout de suite pour vous, de toute façon, je ne sais pas si ce sera la même journée ou la suivante, mais ça ne change pas grand-chose pour vous. Je vous reprends une petite minute. Alors là, je viens de balayer l'aspirateur. Quand il y a trop de poils, ça va absolument pas. Et comme le chien continue, ça mue. Je vous raconte pas comment qu'il y avait des poils. Donc, j'ai passé l'aspirateur au salon, mais j'ai passé le balai pour le reste parce que j'ai vidé le réservoir deux fois quand même. Je voulais vous reprendre pour l'histoire du huissier.
Donc là, j'attends que chérie règle les choses. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'ils ont changé de huissier, puisque l'autre d'avant, on lui a expliqué la situation, on lui a envoyé toutes les preuves, jugement du tribunal, comme quoi on avait bien déménagé depuis telle date et qu'il continue à nous envoyer des factures. Donc il a pris notre défense auprès de la commune de Virton pour ces factures qui n'ont rien à voir, qu'on n'est pas censé payer. Et du coup, ils ont changé de huissier. Donc je ne pense pas que ce soit très légal, hein. Ça m'étonnerait que déjà passer au-dessus de la décision d'un juge, c'est déjà pas légal, mais changer de huissier à chaque fois que le huissier prend notre parti, ça doit pas vraiment l'être beaucoup non plus. Hein. Et l'autre huissier ne s'est même pas renseigné auprès de celui qui a défendu notre dossier avant. Donc voilà, c'est vraiment. J'espère qu'ils vont vraiment nous foutre la paix là après, parce que ça commence à bien faire. Surtout que. C'est illégal de passer au-dessus du verdict du juge, mais je comprends pas que le nouveau huissier arrive comme ça juste pour faire un état des lieux pour pouvoir saisir, quoi, alors qu'il n'a pas toute l'histoire en main. Il y a vraiment anguille sous roche avec cette histoire-là, et j'espère que chérie va vite me régler ça, parce que ça commence à me pomper. En fait, on leur doit encore 600 euros, je crois. Mais là, ils nous réclament 1700 déjà, hein, plus toutes les autres factures qui, depuis 2015, qui viennent s'additionner. En fait, quand le juge a décrété qu'on devait payer la moitié de l'eau, parce qu'on était d'accord de payer ce qu'on avait consommé, ça, il n'y a jamais eu de souci, sauf qu'au-dessus de où on habitait, il y avait un appartement. Où il n'y avait pas de compteur officiel, il y avait un décompteur chez nous et on devait calculer avec les locataires ce qu'ils avaient consommé et ce qu'ils devaient nous rembourser. Sauf que les locataires qui étaient au-dessus, il y en a eu 3 ou 4 différents, sont toujours partis comme des voleurs. Donc forcément, ils n'ont jamais payé l'eau. Et forcément, ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils consommaient non plus, hein, puisqu'ils s'en foutaient, ils ne payaient pas. Et le juge avait bien dit que ce n'était pas à nous de payer la consommation d'eau au-dessus, que c'est eux qui avaient accepté de louer de faire un appartement au-dessus. J'ai un truc qui me pique à ma lunette. La commune avait autorisé l'appartement au-dessus alors qu'il n'y avait pas de compteur d'eau officiel. C'était juste un décompteur. Donc, chérie a payé tous les mois ce qu'on devait, nous. Et 6 mois après ou 7 mois après, là, la commune nous a renvoyé un courrier en disant que c'était à nous de tout payer parce qu'eux ne retrouvaient pas la propriétaire. Parce que c'est ce que le juge avait dit. Vous voyez que la propriétaire de la maison, quoi, puisque nous, on louait à l'époque. Et ils nous ont renvoyé un courrier comme quoi c'était à nous de tout payer puisqu'ils ne retrouvaient pas la propriétaire. Mais genre, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je ne vais pas les payer l'eau que les locataires ont consommé, quoi. Et du coup, Cédric a envoyé un courrier, mon homme a envoyé un courrier pour dire, voilà, non, c'est hors de question. Moi, j'arrête de payer tant que vous me demandez la totalité. Et ben voilà, du coup, ils nous demandent quand même la totalité par un huissier. Donc franchement, ça commence à me pomper cette histoire. On chie déjà pas les sous, alors qu'on paye ce qu'on doit, ça je suis totalement d'accord, mais parce que nous, on n'a pas consommé, quoi. C'est pas à nous à régler des gens là qui sont partis comme des voleurs, qui n'ont pas payé, qui n'ont pas récupéré, qui n'ont pas payé l'électricité pendant tout le temps qu'ils étaient là, ils n'ont pas payé l'eau, ils ne payaient pas le chauffage, ils ne payaient déjà pas le loyer à la propriétaire. Voilà, c'est aberrant, quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'était pour vous dire ça tant que j'y pense, avant que j'oublie. Et voilà. Maintenant, je vais préparer mon petit seau d'eau pour nettoyer. D'abord, je vais aller filmer mon décloteur, je pense, pour pas me fatiguer trop vite d'un coup. Je vais pas pouvoir faire de sieste en plus aujourd'hui. Sauf si Enzo se lève assez tôt et que lui attende mon colis. On verra bien. Donc, je sais pas comment je vais goupiller le reste de la journée, mais je verrai bien. De toute façon, je vous reprends après le facteur, voir s'il m'a déposé quelque chose. Alors, je suis en train de me battre avec Steam depuis tout à l'heure. Bon, mes petites pauses ménages, là, il ne me reste plus qu'une petite zone à nettoyer. Donc, je vais faire ça. Et j'ai reçu ce top d'AliExpress. Voilà, il est très beau. Je pensais juste un peu plus long parce qu'il est un peu court. Il est ouvert ici sur le côté. Mais c'est très, 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 très joli. Ça fait un peu bavarois. Vous savez, là, comment ça s'appelle les bavaroises. Plus que la bière et la choucroute. Voilà, je trouve ça très joli. Comme je vous dis, je le pensais un tout petit peu plus long. Mais bon, ça me convient. Avec un jean taille haute, ça passera crème.
Donc voilà. C'est très joli avec la petite ouverture là. Voilà, avec mon leggings pour traîner à la maison, c'est pas super beau, mais voilà. Sur un petit pantalon noir ou un. Je mets mon doigt devant le micro, vous m'excuserez. Ou un jeans taille haute, ça sera très joli. Donc, je vais achever de nettoyer, je vais continuer à me battre avec Steam. Voilà, je vais essayer sur le petit PC portable, sur le gros, ça lag. Donc là, je vais essayer sur le petit PC portable. Et puis, on verra bien. J'ai vu qu'il y avait une démo du jeu que j'aimerais bien, donc avant de l'acheter, comme ça, je peux le tester, mais ça laguait trop, donc c'est un beau chiant. Donc, moi, je vais achever ce que j'ai à faire. Et puis, je vais voir à ça. Je vais faire pipi. Je vais manger un bout, j'ai faim aussi. Quelle heure il est ? 11h26. Ah, bah, c'est déjà l'heure de manger pour moi. Donc, je vais acheter de nettoyer, je vais manger en regardant un Steam. Et après, j'attendrai ma commande de Boozy Shop pour la palette Turtle. Et voilà. Ok, allez, tantôt. Alors, je vous prends 5 minutes avant de descendre donner à manger. Mais chien, je viens te filmer la palette Turtle, la Hydra Turtle. Voilà ce que j'ai fait. De toute façon, vous avez déjà eu la vidéo, donc je vous la remets en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Là, j'ai le facteur qui vient de me déposer à l'instant même ma commande Shein, la première partie. Donc, je pense que je vais vous filmer ça. Après. Là, il faut que je fasse le montage parce que c'est une vidéo que je tourne pour le jour même. Donc, il faut que je fasse le montage. Tant que ça enregistre, je pense que je vais filmer le haul Shein. Je ne sais pas si Enzo va rester en bas ou s'il va aller se recoucher. Bref, je vais voir avec lui. Et voilà. Sinon, après, je vais jouer à Portia. My time at Portia. Je suis à fond dessus depuis hier. Hier soir, j'ai joué sur le PC portable le plus grand des deux. Et ça lag. Et du coup, ça a bugué quand j'étais le soir. Et en fait, il faut dormir pour sauvegarder. Donc, j'ai perdu toute ma journée de farm et compagnie. On adore, on adore, on adore. Donc, voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, vous avez mon lien d'affiliation à Son Gaming, si vous voulez aller voir. Franchement, c'est un site, si vous êtes gamer, hein, c'est un site génial pour avoir les jeux vachement moins chers pour tout. Hein. Là, je l'ai à 72% le jeu. Les Sims sont souvent en pré-vente, en promo. Enfin voilà, si, franchement, si vous ne connaissez pas ce site, c'est une pépite. Et confiance 1000%. Il n'y a jamais eu de problème. Et voilà. Bref. Donc, bah écoutez, c'est très court. Je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée. Je vous montrerai peut-être un peu le jeu tout à l'heure. On verra bien. Quand je serai tranquille en bas, là, il y a Enzo en bas, les chiens qui attendent pour manger. Il est 10h14. Je vous dis même plus l'heure maintenant. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais aller. Faire ce que j'ai à faire en bas. De toute façon, je vais vous descendre avec moi et on verra quand est-ce que je vais vous reprendre. Et voilà. Donc, à tout de suite. Donc, je vous reprends en tenue de combat. Je suis peut-être un peu basse là. Je vais remonter un peu. Je suis dans mon salon parce que je vais filmer le haul Shein. Voilà. Je pense que ici c'est mieux. La luminosité est peut-être pas top top, mais au moins quand je me recule, voilà, j'ai remonté un peu, mais au moins vous me verrez un peu trop entière. Donc, voilà. Je pense qu'on est pas mal là, je sais pas, mais le fond ça me paraît correct. Bon, on voit le bordel sur le PC de monsieur, là on voit le mien aussi, il faut que j'enlève la boîte de tabac d'ailleurs, sinon ça va faire désordre. Donc je vais faire ça, je vais filmer le haul Shein, j'ai la vidéo qui sort aujourd'hui pour vous sur la palette Turtle là, qui est en train de charger, et voilà. Donc je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Je suis crevée. J'ai envie d'aller dormir. Mais comme il est déjà presque 2h, je vous dis même plus l'heure maintenant. Comme il est déjà presque 2h, je vais éviter d'aller dormir parce qu'en plus j'ai envie de jouer à Portia. Je vous montrerai demain. Comme demain, c'est mercredi. Genre chez Ron plus tôt. Jeudi, vendredi, il n'a pas école. Oh, il n'a pas école. Chérie est en congé jeudi aussi. Donc je ne sais pas si je saurais vous prendre jeudi. On verra bien, de toute façon, pire, ce sera un petit vlog, mais voilà, au moins il y aura le vlog. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui, et moi je vais filmer le haul Shein. J'ai Lilo qui est en train de me regarder, elle dort de manière un peu dans une pose un peu bizarre. Je vais tourner ça, comme ça demain matin j'enchaîne avec le montage, ou ce soir, je ne sais pas. On verra bien, après je vais jouer. Bon, je vous reprends quand même 5 minutes, je suis complètement ébaudie par mes essayages. Je suis ravie. D'ailleurs, je suis encore habillée en Shein. J'adore le top et canon. Oh, j'adore tout. Enfin, de toute façon, vous l'avez déjà vu, hein, mais
Je suis aux anges. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'autre que j'aurai normalement, je pense, la semaine prochaine. Maintenant, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur que ce soit trop large. Puisque là, le M est un peu large. Les autres, il y en a que j'ai commandé en L par crainte que ce soit trop étroit. Faut vraiment que j'apprenne à accepter le corps que j'ai maintenant, d'arrêter de me voir plus grosse que je ne le suis. Bref. Bon, ben moi, le temps que la vidéo achève de s'importer, je vais jouer un peu. Je vais d'abord ranger mon bordel. Et je vais remettre des chaussettes parce que j'ai piégé. Et je vais jouer un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire de sieste aujourd'hui pour pouvoir kicker. Tranquille. Voilà, Enzo est parti faire une sieste. Lui, Georges, je rentre en même temps que mon homme de l'école. Donc, je suis tranquille encore deux bonnes heures et demie, on va dire. Allez, on suit deux jours. Alors, il est 8h10. J'ai l'impression que vous me voyez que en pyjama dans les vlogs. C'est un truc de fou. Il est 8h19, donc c'est le dernier jour d'école de Sam. Et il rentre à 13h. Ouais, 13h aujourd'hui. Puisque le mercredi. Et j'ai déjà fait deux petits montages. Donc, j'ai monté la journée de vlog d'hier qui a été très vite puisqu'elle était très courte. Celle-ci sera pas très longue non plus, hein, je vous l'avoue. Je crois que ce vlog entier sera très court. Et là, je viens de monter le vlog Shein, donc que vous avez déjà eu, hein, qui sort demain pour moi. Normalement, vous deviez l'avoir vendredi, mais là, je l'ai décalé à demain parce que j'ai pas encore eu le temps de tourner mon décloteur. Et voilà. Donc, hier, j'ai joué jusqu'à 1h30 du matin. J'avais déjà pas fait de sieste. Amy était choquée d'apprendre que je n'avais pas fait de sieste. Ouais, ça fait des mois que je suis pas restée une journée sans faire de sieste. Donc, j'ai joué jusqu'à 1h30 du matin. Voilà, et aujourd'hui, bon, j'ai pas mal de choses à faire, notamment il faut que je lave mon coupillon et mon éponge, ce qui va aller très vite, hein, en soi, c'est pas une grosse... faut que je repasse un coup d'aspi. J'ai ma belle-sœur qui vient vers 11h avec ma filleule pour qu'elle puisse essayer des vêtements que j'ai triés, voir s'il y a des choses qu'elle veut récupérer, puisqu'elle a plus grand-chose à se mettre, la pauvre. Donc avant de mettre sur Vinted, je préfère faire ça. Qu'elle puisse essayer ce qu'elle veut. J'ai montré mes achats Vinted à Chéri. Alors, il aime bien, sauf le pantalon militaire là, que j'ai mis aujourd'hui. Là, je vais voir. Je l'ai laissé hier, du coup. Quand je plie la ceinture, ça va mieux, en fait. Ah oui, voilà. Mais il est quand même vachement large pour un M. J'aurais dû le prendre en S, mais bon. Pour rester à la maison, c'est déjà bon. Voilà. Dimanche, on a le baptême du filleul de mon homme. Donc, je ne sais pas trop encore comment je vais m'habiller. Au départ, je voulais mettre le produit que j'avais acheté pour le mariage, déjà chez In, la petite combi. Mais je crois qu'elle est un peu longue et je suis obligée de mettre des talons. Et comme j'ai la tête qui tourne tout le temps, les talons, c'est pas une bonne idée. Donc, je ne sais pas trop. Il faut que je réessaye. Et puis, c'est en L, donc je ne l'ai jamais mis. J'espère qu'elle me va encore. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Là, j'ai le montage qui enregistre, qui devrait aller assez vite. Et je vais aspirer mon poil pour l'allumer, parce que je suis un vrai fichetique à l'heure actuelle. Je suis en mode gélifié. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive à caser mon geekage et mon siestage dans tout ce que je dois faire aujourd'hui. Je sais pas quelle heure ma belle-sœur va repartir, et en sachant que de toute façon, comme Georges rentre à 1h, je dois l'attendre pour lui ouvrir la porte. Donc voilà, et il faudrait que je refasse ma colo avant dimanche aussi. Je ferai peut-être bien ça vendredi. Ouais, je pense que je vais faire. Demain je peux pas, parce que demain on va manger chez mon frère à midi, donc je sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Donc, moi, je pourrais pas faire grand-chose. Il faut que je tourne mon décloteur. Je tournerai peut-être bien mon décloteur vendredi, quand j'ai la colo qui pose. Rentabilité de temps. Voilà. Ouais, je pense que je ferai ça. De toute façon, les ventes, je mets sur Vinted qu'une fois que la vidéo décloteur est sortie, pour que vous puissiez voir ce que je vais mettre. Et que ça ne parte pas trop vite si vous voulez acheter quelque chose. Donc voilà, je pense que comme j'ai fait la vidéo pour samedi du coup, attendez, je ne sais plus, oui samedi, je pense que je mettrai les trucs en vente ce dimanche ou lundi sur Vinted, donc
peut-être lundi. Voilà, comme ça, demain pour vous, et vous aurez... vous pouvez aller voir, quoi. De toute façon, vous avez mon lien en barre d'infos, et j'ai des fringues à mettre aussi, qui traînent là depuis 3 jours, que je dois mettre et que j'ai toujours pas fait. Mais voilà, et de toute façon, je vais attendre comme ça, quand je verrai ce que ma fille, elle veut ou pas, et je mettrai en vente ce qu'elle veut pas garder, ou ce qui lui va pas. Ok, bon. Je vais vous montrer un peu le jeu, je pense. De toute façon, aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment claquée. Hein. Quelle bonne idée d'aller se coucher à 1h30 quand on doit se lever à 6h. C'est pas très intelligent, hein. Mais voilà, quand franchement, je suis accro à ce jeu. En 2 jours, j'adore. C'est vraiment un mélange. Enfin, moi, j'ai jamais joué à Animal Crossing, mais il me tentait bien parce que c'est le genre de petit jeu que j'aime bien. Mais j'ai joué à Harvest Moon sur Wii. Et je cherchais un petit jeu qui lui ressemblait. Et c'est la même chose, mais en mieux, avec des super beaux graphismes. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très reposant comme jeu. C'est un peu comme les Sims. Mais il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Vous avez toujours des missions, des quêtes, du farming. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Mais j'adore. Voilà. Donc, vous avez compris que si vous me voyez très peu en ce moment sur Insta, c'est parce que je kiffe. Ok. Bon, allez. Je vais faire mon poil déjà pour pouvoir me réchauffer le cul parce que ça caille. Donc, je vous reprends enfin. Il est 11h26. Je vous reprends enfin avec la tête colo qui pose pour cacher mes cheveux de mamie pour dimanche puisqu'on a le baptême du ciel de mon mari. Voilà. Donc, je vous ai pas pris hier puisqu'on est parti toute la journée. On a été chez mon frère. Il nous avait invité à manger avec ma maman et mon beau-père. Et du coup, on a été là-bas à midi, on est rentré, il était 5-6 heures, je crois. Et voilà, et comme je ne fais que geeker depuis que j'ai le jeu, je vous jure, oh là là, obsession, ce jeu, un truc de fou. J'ai toujours des obsessions. Alors, j'ai arrêté de lire quand j'ai recommencé les Charmed, et là, je regarde plus Charmed parce que je suis occupée avec mon jeu. Il y a un truc qui sonne. Non, c'est pas chez moi. Je ne veux pas. Donc, je vous prends un petit peu le temps que ma colo elle pose, donc 30 minutes, on va dire. Après, je vous montrerai quand même le jeu et je viendrai vous dire au revoir après ma douche. Après, enfin, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je vais réussir à aller faire une sieste. Ça fait 2 jours que je ne fais pas de sieste et que je vais me coucher entre 2 et 3 heures du matin parce que je suis à fond sur ce jeu-là. Obsession, hein, je vous jure. Donc, voilà. Franchement, les 8 euros les mieux investis de ma vie, je crois. À fond dedans, à fond. Après, c'est ça mon problème, moi, c'est que j'ai des obsessions comme ça, c'est des passes. Et tiens-toi droite. Et après, je vais jouer pendant 1 mois non-stop, et puis après, je vais me lasser totalement, j'arrive pas à faire des coupures. Du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier pour vous, et qu'il n'y en aura pas demain pour vous. Et on reprend mercredi avec le Random Color Challenge que vous me demandez depuis très longtemps. Voilà, sinon on a passé une bonne journée hier. C'était agréable, on a bien bouffé. Ma belle-sœur pense toujours que je mange comme 3, mais je mange comme un tiers, donc elle a un peu du mal. Et du coup, elle a mis en déco 2 bougeoirs et j'en ai taxé un, emprunté un du moins, pour mettre dans mon fond de vidéo parce que je l'ai trouvé trop beau. Donc on va modifier un peu ça. J'en ai un peu marre de la lanterne. Et regardez-moi cette beauté. Ouh, et ça ira très bien avec ma petite couronne que Sam a bougé et qu'il n'a pas remis en place ici, là, voilà. Donc, je vais faire ça avec vous. Je pense que vous voyez bien le fond. Donc, faites pas attention à ma tenue. Hein. Je suis en tenue coloration, donc t-shirt et leggings spécial coloration parce que je m'en fous toujours partout. Vous pouvez voir les dégâts sur ma face déjà. Ben, c'est pareil sur mon corps. Donc, vous voyez le fond? Oui, je vais bouger le fauteuil. Vu que là, il y a le cœur, je vais les mettre de l'autre côté. Donc, je vais déjà virer la lanterne. Voilà. Je pose tout là en attendant et puis je rangerai plus tard. Alors, on va mettre ça ici. Je pense que ça donnera très bien. Oh, c'est beau! Alors, ça, je recule pour l'instant. Je vais mettre la couronne devant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faut que je me rapproche, hein, parce que je vois rien. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais peut-être dézoomer un peu, comme ça, vous verrez un peu mieux. Bon, vous voyez mon fauteuil, mais je ne sais pas le reculer plus.
De l'autre côté, j'ai envie de laisser ma plante. Mon petit nounours et ma boîte à introduire, là, ça reste là. De toute façon, vous ne voyez pas en vidéo. On est sur un thème printemps. Ben, je crois que je vais juste remettre les deux trucs là et enlever clochette pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Georges est venu chipoter mes affaires et il range rien. Je vais tuer ce gosse. Ouais, hein. Le reste, c'est pas très thème printemps. Je regarde ce que j'ai en déco. Il y en a partout chez moi. C'est un bordel sans nom ici. Entre les colis vides, enfin les boîtes vides pour les colis vintage, les ventes vintage, plus tous mes produits et mon stock de tout là, but de place moi. Je suis débordée. Voilà. Bref. Donc, on va laisser ça ici comme ça. Et je dirais bien comme ça. Alors, voyons voir. Ça me paraît pas mal. Ouais, hein. C'est sympatoche, moi je dis. Voilà. Donc je m'éloigne à chaque fois du micro, donc je m'excuse si vous m'entendez un peu moins fort. Et donc, clochette, pour l'instant, on va la planquer un peu. Voilà. Est-ce que je mets quelque chose en déco dedans? Mais je ne sais pas si j'ai quelque chose qui rentre dedans. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ouais, j'ai encore un petit pot de fleurs, là. Je peux rajouter en plus. Voilà, comme ça, ça m'a l'air pas mal. Voyons voir de plus près. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Alors, j'avais une bougie ronde, je vais voir si je la retrouve. Bon, j'ai un petit peu de l'esquinté en la sortant du pot. Puis voyons voir si elle rentre dedans. Non ! Donc ça, ça fait pas beau, hein. Non. Donc on va rien mettre dedans, je pense. De toute façon, j'ai rien d'autre qui rentre dedans. Ouais, non, j'ai rien qui rentre dedans. Ah, regardez, la bougie, elle me reste plus que le pot, mais j'ai acheté le blush 100 euros et voilà la bougie, le pot. Comment est-ce qu'il était beau. Tiens, je le mettrai en automne, en déco, je pense. Ça fait un peu Halloween, comme ça. Donc, c'est la même boîte. Vous aviez le dessous, comme ça. Voilà, ça donnait à peu près ça. Et au-dessus, vous avez une petite pastille qui sent. Mais normalement, elle sent l'odeur de la bougie, je crois. Mais là, elle ne sent plus rien. Bref. Voilà pour ça. Alors, je vais me rasseoir. Alors, les enfants sont partis. C'est pour ça aussi que vous n'aurez pas eu de vidéo le samedi et le lundi. Ça fait un mois et demi que je fais des vidéos tous les jours. Donc là, je pense que j'ai mérité un petit week-end de repos. Les enfants sont partis en week-end de pêche avec un copain et son papa. Voilà, ils sont partis ensemble. Et du coup, ça va leur faire du bien. Moi, ça va me faire du bien aussi. Aujourd'hui, je suis toute seule, donc ça fait du bien. Et voilà, là, je vais préparer aussi ce qu'il me faut pour me maquiller pour... le baptême dimanche, j'ai pas envie d'utiliser les produits de ma rotation. Je vais sortir la Ultimate. La Ultimate Utopia. Ouais, ouais, ouais. Ça fait quelques temps que je n'ai pas réutilisé. Donc. Voilà pour ça. Et il me faut des pinceaux pour mes yeux. Hier, je ne me suis pas maquillée, rien. En fait, je me suis levée, j'ai été me coucher à 2h30 au matin, avant-hier. Et je me suis levée à 7h. On avait rendez-vous chez mon frère à midi, donc j'ai joué jusqu'à 11h30, que je me suis habillée pour aller chez mon frère, hein, vu qu'il habite à 2 minutes. Et on est rentré, j'ai joué jusqu'à 2h30 ou 3h du matin encore. Voilà. C'est ma vie en ce moment. Je fais absolument que ça.
Je sais pas s'il y a que moi qui suis comme ça, à avoir des petites, enfin des grosses obsessions comme ça, et que ça passe pas, comment dire? C'est tout le temps, quoi. J'arrive pas à me passer de. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner jouer. Mais après, ça me fait du bien de vous parler aussi. Mais... Ah, j'ai de la colo partout. Parce que comme je ne vous ai pas pris hier, c'était un peu. Je vous ai pas pris tout simplement parce que ma famille ne veut pas forcément être sur mes vidéos. Donc voilà, puis bon, c'est des moments privilégiés et privés. Donc voilà. Il y avait ma filleule, mes deux nièces, mon neveu. Est-ce que j'ai assez de pinceaux là? Oui, hein. Pour un make-up, je pense qu'il y a moyen de moyenner avec ça. Un gros estompeur, peut-être. Oui. Prends celui-là. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon make-up dimanche. Voilà. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, puisque en extérieur, on a droit à 10 personnes en Belgique et en intérieur, on a droit à 2 personnes supplémentaires, enfin, à être à 4 en tout, en fait, en intérieur. Et samedi prochain, on va chez Amy. Donc j'espère qu'il fera bon, puisqu'on est censé faire un barbecue dehors. Après, la bouffe, on s'en fout, mais on est censé être en extérieur, puisqu'il y aura Manon aussi, donc on sera déjà 6. Bon, après, si c'est en intérieur. Moi, ça ne me dérange pas de frauder comme ça pour un tout petit truc. Au lieu d'être à 4, on sera à 6. Ça ne me dérange pas trop. Surtout que on doit fumer dehors. Donc on sera. Surtout moi, je serai certainement plus souvent dehors qu'à l'intérieur. Mais je ne sais pas Manon comment est-ce qu'elle voit les choses de son côté. Donc on fera au mieux pour tout le monde. Et j'ai hâte d'y être. Comme ça, elle aura son petit cadeau d'anniversaire. Je ne vous dis pas ce que je lui ai pris parce que elle regarde les vlogs, hein, la curieuse. Donc voilà. Puis on va faire l'échange de swap aussi. Et voilà, j'ai hâte. Aussi bien de déballer le swap que de les voir déballer leur swap, de faire l'échange, qu'on se voit, qu'on se fasse une bouffe toutes les trois, ça va être trop génial. Voilà, les trois mousquetaires, la réunie, ou les trois petits cochons, c'est comme vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà presque un quart d'heure que je papote, alors que j'ai pas grand-chose à vous raconter, en fait, parce qu'à part jouer, je ne fais absolument rien. J'ai regardé pour enregistrer mon écran. Avant, j'arrivais à le faire sur le Windows 10. Il y avait un programme Xbox là pour enregistrer exprès les jeux. Mais avec Portia, ça va pas. Donc, je vais devoir vous filmer avec mon téléphone. Donc, il faut que je nettoie l'écran d'abord. Pour pas que vous voyez trop les traces. En plus, c'est un écran tactile. Donc, il y a des traces de doigts partout. Et là, je vais aller à la douche de toute façon. Le temps que ma colo elle pose, il me reste combien de temps? Il me reste combien de temps? Je dois faire pipi. Ouais, il me reste 15 minutes, ça va, j'ai le temps. Bah, j'ai le temps d'aller faire pipi, justement. Voilà, je crois que j'avais vraiment rien d'autre à vous dire. Hein. Je réfléchis, hein. Il faut que je fasse mes ventes Vinted. J'ai plein de choses à faire, mais je fais rien, à part jouer. Voilà. Et voilà. Donc après, on va reprendre quand même le programme de vidéos classique, hein, parce que là, je m'épuise pour rien à faire autant de vidéos d'un coup. Mais après, c'est parce que j'avais plein de choses à vous partager en ce moment et que j'avais envie. Et là, il faut que j'arrive à jongler maintenant entre les vidéos, le jeu, et puis ce que j'ai à faire dans la maison, et la vie sociale, et la vie de famille, tout ça, le ménage. Mais je suis vraiment ravie avec ce jeu, franchement. Hein. C'est calme, ça apaise, c'est relaxant, c'est pas ennuyant parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est franchement, j'adore, je suis amoureuse de ce jeu. Voilà. Manon, elle a dit qu'elle allait voir pour s'acheter aussi. Du coup, voilà, je vais partager. Je vous mets je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais MyNJ a fait un let's play complet. Enfin, complet. Je sais pas combien d'épisodes il y a en tout. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Moi, j'en ai regardé une quinzaine, je crois. Et il faut que j'achève d'ailleurs. Donc, je regarde les épisodes de MyNJ sur le jeu et je joue en même temps sur les deux PC. Donc je vous mets sa playlist des jeux de son let's play Portia dessus en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir si ça peut vous intéresser. Et si jamais il vous intéresse, pour l'instant, j'ai été vérifier hier avec ma nièce parce que ma nièce le veut aussi maintenant. Il est toujours en promo à 7,95 € sur Instant Gaming. Et vous avez mon lien d'affiliation. En barre d'infos, donc comme ça vous êtes tout de suite sur le bon site. Moi je gagne un petit pourcentage, je sais pas ce que c'est, hein, je crois que c'est de l'ordre de 2%, c'est pas énorme. Hein.
Mais ça me fait toujours des petits centimes en moins quand je veux racheter un jeu. Et vous tapez Portia dans la barre de recherche. Et il vous sort tout de suite le bon. Attention qu'il y a des DLC en plus, hein, donc des petits kits en plus. Mais il faut vraiment prendre le jeu de base. Et il vous faut Steam pour l'installer, pour jouer. Et il tourne pas sur Mac. Oui, chérie a passé 2 heures. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Non, je ne crois pas que je vous ai repris après. Chérie a passé plus de 2 heures à essayer de trouver la solution pour mettre Steam sur mon Mac, puisque ça n'allait plus à cause de Catalina. Il a enfin réussi à l'installer. J'étais toute heureuse parce que je me suis dit, ben voilà, comme ça je vais pouvoir jouer sur mon Mac et les gosses peuvent garder le portable quand ils s'ennuient. Et en fait, le jeu ne tourne pas sur Mac. C'est juste Windows. Donc il faut un PC Windows. Bon, après, c'est pas ça qui manque ici, hein. Mais voilà, et sur le gros PC portable, il lag. Voilà, mais après c'est un Windows 8, donc c'est un très vieux PC qu'on a déjà rafistolé, parce que c'est vrai qu'il aime bien chipoter au PC, faire des meilleurs PC avec des vieux PC, enfin vous voyez quoi. Et du coup celui-là, le jeu il lag dessus, et sur mon petit PC portable là, que je prends pour faire les lives et tout ça, là, qui est tactile, il tourne à merveille. Bon, j'ai dû diminuer les graphismes et tout ça, mais il tourne à merveille. Bref, je pourrais vous parler de ce jeu pendant 2 heures, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Voilà. Ok. Sinon, depuis hier, je traîne avec l'ensemble Kaki que je vous ai montré dans le hall Shein. Oh, mais j'adore ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai hâte de recevoir la deuxième commande. Donc, celle-là, elle sera en bonus courant de la semaine. Comme ça, quand je la reçois, je filme et je fais le montage et je la poste le jour où j'ai tout fini. Et voilà, comme ça, ça ne traîne pas non plus et ça fera quand même une troisième vidéo, une quatrième vidéo. Voilà. Bon, je vais descendre faire pipi avant de me faire pipi dessus. Et je vous reprends après pour vous montrer le jeu et je pense qu'on pourra clôturer là le vlog. Je sais qu'il sera assez court, mais... Mercredi après-midi, je ne vous ai pas pris. Et hier, je ne vous ai pas pris de la journée. Donc forcément, ça raccourcit le vlog quand il y a des jours en moins. Donc allez, à tout de suite. Donc voilà, je vais vous filmer un petit bout du jeu. Bah, pas longtemps, hein, parce que je vous ai pas. Voilà, on n'est pas sur une chaîne gaming. Mais comme ça, je vous montre. Donc je filme avec mon téléphone, puisque c'est plus facile. Et je filme un autre écran. Donc ça risque de faire un peu bizarre en vidéo. Mais au moins, vous verrez un peu le principe du jeu, quoi. Voilà, voilà. Donc là, on vient de se réveiller. J'ai pris des graines dans mon inventaire juste ici. Comme ça, je vais pouvoir aller les planter. Et voilà. Donc, on est... Ah, vous voyez. Coucou. J'ai ma colo. Mes cheveux sont en train de sécher doucement, là. J'ai ma colo qui a bien pris. C'est pas mal. Voilà. Donc, alors, j'ai eu du courrier... Donc là, on est... oh, bah, attendez. McDonald's. Je l'ai donc récupéré. Ah, il a récupéré son cheval. Après, j'ai des sous, mais... Il faut que je vois si je dois acheter un cabanon ou quoi pour le mettre dedans, de la bouffe et compagnie. Donc ici, c'est mon... C'est Missy Shop. Hein, mon petit bonhomme s'appelle Missy. C'est mon... Comment est-ce qu'on dit ? Donc, vous récupérez un atelier, l'atelier de votre père, en fait. Vous débarquez là. Et voilà, vous devez construire des choses et tout ça, tout ça. Et après, il faut aller chercher tout ce qu'il faut. Donc, ça mélange vraiment un peu tout. C'est génial. Je ne sais pas si je peux mettre de l'engrais. Si. C'est vraiment génial. Voilà, j'aime beaucoup. Les graphismes sont très beaux. Donc là, je fais ça, la petite routine du matin. Et puis, je vais aller... je vais aller voir pour une commande pour me faire des sous. Et après, je vous montrerai un peu la ville. Ah, vous voyez, ça fait des trucs un peu bizarres, des fois. Ok, et ici, il me manque des trucs que je dois pour construire ça, pour faire ma quête. Donc, ça, je ferai après. Donc, j'ai plus le cheval. Ça, c'est chiant. J'avais loué un cheval pour une semaine. Donc là, je vais aller voir pour prendre une commande. Les gens commandent, en fait. Vous avez droit à une commande par jour. Et pour vous rapporter des sous. Ah ben non, je peux pas en prendre une parce que là j'en ai déjà une en route. Donc il faut que j'aille farmer pour avoir des plumes. Donc je vais aller voir si je peux revendre du bordel pour me faire des thunes.
Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu pour vendre. Ah, mais ça fait nouveau. Ouais, je vais pas trop vous montrer parce que ça fait vraiment bizarre. Donc là, le prix du marché est à 120% en hausse. Donc, c'est le moment de vendre, en fait. Parce que ça rapporte, vous voyez, ici, plus 2, par exemple, si je vends celui-là. Donc là, je vais aller chercher tout ce que j'ai à vendre. Et puis, j'irai les vendre au magasin adéquat. Et voilà. Là, je vais me renseigner un peu pour le cheval. Voir ce que je peux faire pour l'acheter. Il y a... Qu'est-ce qu'ils font, hein, tous à courir ici, là? Il y a une réunion. Oh, bah non, je n'ai pas été... Là, je vais dire bonjour à Arlo, que j'essaye de monter mon amitié avec pour l'avoir comme futur mari. Son petit cadeau quotidien. Hop, une épée d'entraînement. Et voilà. Donc, vous avez des coffres un peu aussi dissimulés partout sur map, mais là, j'arrive pas à les attraper. Donc, voilà, voilà. Ça vous montre un petit peu, et je vous montre la map. Mais elle n'est pas complète encore chez moi. Moi, j'ai débloqué que ça. Et il y a tout ça à débloquer. Après, au final, vous avez ici les missions, le personnage que vous pouvez améliorer. Ah, bah, j'ai un point de compétence d'ailleurs. Le prix de vente. Ah, bah, ça, c'est Gmail. Hop, augmente de 2%. Vous avez un calendrier. Il y a de temps en temps un festival. Ah, bah, là, il y a le truc d'Halloween. Hein. Jour du souvenir, quoi. Le social ici. Plus vous liez des liens, plus voilà, vous avez des avantages de relations. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est pour toutes les choses que vous pouvez construire. Voilà, ça, c'est tous les appareils. Enfin, voilà, l'inventaire et compagnie. Donc, voilà, si ça peut vous plaire, bah, écoutez, je vous ai mis le lien Instant Gaming en barre d'infos. Et je vous note le nom aussi, comme ça, vous ne devez pas trop chercher. Et voilà, profitez-en si tant qu'il est à 8 euros, j'ai envie de vous dire, à la place de 30, quoi, parce que des promos comme ça, on en a rarement. Et voilà, donc moi, voilà à quoi je passe mon temps en ce moment et sur quoi je vais certainement passer mon week-end. Et donc voilà pour ce vlog, je vais clôturer ici. Voilà, j'ai fait ma colo, j'ai plus de cheveux blancs, pas pour longtemps, mais pour l'instant, j'en ai plus. Enfin, il faut que je vérifie s'il n'y en a pas un ou deux qui ont échappé. Par contre, j'ai des taches partout, hein, comme d'hab. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Et voilà, maintenant j'attends qu'ils soient bien 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 secs avant de pouvoir les rattacher, sinon ça fait des bosses. Enfin, de toute façon, ça fait des bosses quand même. Mais... Par contre, je les perds à mort, j'ai oublié ma colo un peu trop longtemps, vu que j'étais occupée. Et du coup, pas avec le jeu cette fois-ci, j'étais en train de préparer un colis Vinted, j'ai fait une vente. Et à force de chercher partout dans mon bordel, ben, je l'ai laissé poser 5-10 minutes en plus. Alors là, ils sont tout doux. J'adore quand je viens de faire une colo. Mes cheveux sont trop doux, trop beaux. Ils sont bons. Bon, après, j'ai mis l'huile, hein, comme d'habitude. Voilà. Bref. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi. Hier, j'ai mon abonné qui m'a récupéré les livres. Alors, pour l'instant, je ne lis plus du tout. Mais au moins, ma collection sera complète. Elle a réussi à me récupérer les livres. Donc, gratuitement. Hein, et elle va me les envoyer. Là. Elle a complété toute ma collection avec les Chevaliers d'Antares et tout. Je suis trop contente. Et du coup, elle va me les envoyer. Là, je lui ai dit qu'elle me dise... je vais lui rembourser les frais de port, hein, bien évidemment. Voilà, c'est un geste énorme. Ça me fait super plaisir. Et alors, c'est pas pour en plus lui faire payer les frais de port, parce qu'il y en a quand même pour 15 balles. Elle me les fait livrer à la maison, parce que du coup, c'est 14,20 € pour livrer à la maison. Et c'était 12 € en mondial relais. Donc, ça change pas grand-chose. Je lui ai dit, je suis pas à 2 € près, quoi. Et voilà... Et j'ai Peg aussi hier, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui m'a envoyé des messages, c'est hier soir je crois, ouais hier soir, elle voulait m'envoyer des produits, mais comme je lui ai dit, ça ne servait à rien de payer les frais de port, parce que c'est extrêmement cher, de là où elle vient, elle est, je crois que c'est en Martinique, Guadeloupe je crois, je ne sais plus. Et du coup, c'était que des fards mono, et moi j'en utilise pas des fards mono, donc je lui ai dit, écoute, dépense pas des sous pour m'envoyer quelque chose que je vais pas utiliser, ce sera encore un peu plus con, quoi. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça tellement adorable. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est un peu étrange parce qu'on peut pas lui laisser de commentaires, parce qu'elle elle a bloqué les commentaires sous ses vidéos en fait, mais vous pouvez aller lui laisser des commentaires sur son blog. Voilà, moi, je prends pas le temps de le faire, je suis désolée ma petite Peg, mais je prends pas le temps de le faire, mais voilà, je passe et je mets un petit pouce et voilà, un petit en l'air, hein, les pouces, hein, voilà, faites pareil. Si, même si vous ne
N'allez pas commenter sur son blog, allez voir, elle est toute fraîche, toute pétillante et tout. C'est le soleil, cette fille-là, voilà. On l'écoute, ça apporte le soleil. D'ailleurs, je vais rallumer mon chauffage parce que ici, fait beau, c'est bon chez elle. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis, hein, mais non, j'avais rien d'autre à vous dire. Là, je vais finir mon colis Vinted. Je vais finir ma journée sur mon jeu que j'étais en train de vous filmer là. Et après, je vais attaquer le montage du vlog, comme ça il a le temps d'enregistrer, donc je continue à jouer, tout simplement. Je me tâte à aller faire une sieste, mais bon, il est déjà 2h30. Après, je fais pas de sieste en me disant, comme ça je vais me coucher plus tôt le soir, mais je vais quand même me coucher à 3h au matin. Donc, bon, après, je dormirai mieux dimanche soir pour me lever lundi à 6h. Mais... Donc voilà, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc pas demain, vous n'aurez pas de vidéo ce lundi, exceptionnellement, mais bon, ne m'en voulez pas. Hein. Un mois et demi avec une vidéo par jour, je crois que j'ai bien bossé, que je mérite bien un petit week-end de repos tant que les enfants sont pas là. D'ailleurs, ils sont très cons, mes gosses, je leur avais préparé un sac avec de la bouffe, du PQ et tout, pour pas que ce soit le papa du copain qui paye tout, et ils l'ont oublié là. Et voilà, donc on se retrouve mercredi avec le Random Color Challenge. Je sais que ça va beaucoup vous plaire, mais que moi je vais détester le tourner. Et en attendant, moi je vous dis bisous.